Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je suis tellement mais tellement contente de vous faire cette vidéo, car pour celles qui me suivent depuis un long moment, vous savez que je n'avais pas d'action proche de chez moi. Et ça y est, j'ai découvert en fait que depuis le mois de septembre, j'ai un action à Brignoles. Donc c'est à 90 km de chez moi, mais franchement une heure de route juste pour aller à l'action, moi je le fais sans souci. Donc bien sûr j'irai peut-être une fois par mois ou une fois tous les deux mois, mais franchement ça vaut vraiment le coup. Donc du coup j'y étais pendant mes vacances. Donc en fait je me promenais sur le site Action, je regardais un petit peu voir les prochaines ouvertures, et là je vois qu'il y en avait un dans le 83 à Brignoles. Donc je me suis dit tiens, ça se trouve c'est pas si loin que ça. Donc j'ai regardé et j'ai vu que c'était à 90 km, donc pas très très loin de Toulon. Donc je me suis dit il faut absolument que j'aille voir. Donc j'y étais pendant mes vacances, j'y étais un samedi, et honnêtement il y avait un monde de dingue, comme si l'action venait d'ouvrir. Donc j'ai même demandé à la caissière en fait depuis combien de temps l'action était ouverte, et elle m'a dit depuis le mois de septembre. Mais on avait l'impression que c'était presque on avait l'impression que ça faisait qu'une semaine qu'il y avait eu l'ouverture, et c'était blindé de monde le samedi. Donc j'ai trouvé quelques petites choses, mais je pense que dorénavant j'irai pendant mon jour de repos, donc le jeudi, et je vais quand même vous présenter ce que j'ai pu trouver. Donc je commence avec ce photophore. Donc c'est un photophore en verre avec un dégradé argenté, il est vraiment super sympa, il est assez gros comme vous pouvez le voir. Il existait aussi en doré, moi je préfère tout ce qui est argenté, donc je l'ai pris en argenté. Et avec, j'ai pris une petite bougie comme ceci, toute classique. Je pense que quand la bougie va être un petit peu plus basse, ça va s'illuminer avec le côté argenté, ça pourrait faire vraiment très très sympa sur un buffet. Donc il y a toujours des décos super sympas chez Action. Ensuite j'ai pris quelque chose qui me sert souvent. C'est ce genre de petites choses, vous savez, c'est pour enlever en fait toutes les petites touches que vous pouvez avoir sur les vêtements. Ça coûte rien du tout chez Action et c'est ultra pratique. Ensuite, j'ai trouvé ce produit. Moi, j'avais déjà testé le jaune, le citron, je crois, le rose et le orange qui est liquide vaisselle, et j'étais jamais tombée sur celui-ci. Donc apparemment, celui-là, c'est pour nettoyer les vitres et les miroirs. Donc je vais essayer, je vous en dirai des nouvelles. J'ai pas regardé ce que ça sentait bon ou pas. Ça sent très bon, ça sent un petit peu quand même, on voit que c'est parfumé, mais on sent quand même que ça sent le produit à vitre. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous l'avez déjà testé. Moi je ne l'avais pas testé, donc je me suis dit bah autant le prendre. En plus c'est des produits qui durent assez longtemps. Ensuite j'ai trouvé une guirlande et ça m'a marqué parce qu'en fait c'est exactement la même que j'ai. Moi je l'avais acheté chez Maison du Monde, je crois que c'était dans les 20 à 30 euros, mais elle se branche par contre à une prise. Celle-ci je l'ai trouvée à Action, elle coûte je crois 2,50 €. Je me souviens du prix parce que c'était vraiment dérisoire comparé à celle de chez Maison du Monde. Bon, celle-ci elle est à pile, donc je ne sais pas encore vraiment où est-ce que je vais la placer chez moi, mais voilà, pour 2,50 €, je me suis dit je trouverais forcément une utilité. Et voilà, je trouve que j'ai trouvé super super sympa. Ensuite, tout ce que j'ai à vous présenter, ça sera de la papeterie. Donc j'ai trouvé plein de petites choses sympas. Je me suis acheté il n'y a pas longtemps un genre de petit planeur Injada. Et j'aime bien commencer un petit peu à lui mettre des stickers, tout ça. J'aime beaucoup. Donc j'ai trouvé déjà ces petits carnets. Donc déjà, au niveau du design, ils sont super sympas. Et vous avez plusieurs planches à l'intérieur de stickers. Donc vous avez par exemple celui-ci. Donc à chaque fois vous avez deux fois la même planche de stickers. Il y a vraiment des trucs super sympas. Là vous avez des petits cœurs. Ensuite qu'est-ce qu'on a? On a ceux-là, ils sont un petit peu holographiques et tout, je trouve qu'ils sont vraiment super sympas. Ensuite, je ne vais pas tous vous les montrer, ensuite on a ceux-là avec des numéros. Qu'est-ce qu'on a d'autre de sympa? On a ceux-là, on a ceux-là. Enfin, c'est un petit carnet comme ça, et à chaque fois vous avez, et il y a ceux-là aussi qui sont très très beaux. Je sais pas si vous allez pouvoir, voilà, ils sont très très sympas. Donc vous aviez un premier carnet comme ceci, ensuite on a un deuxième qui se présente comme ceci. Ils sont vraiment très beaux. Donc vous en avez des comme ça. Ils sont vraiment super mignons. Franchement, et pour le prix, je crois que c'était peut-être 80 centimes, il me semble. Vous pouvez pas imaginer comment ça me... Je suis trop contente d'avoir un Action qui est pas trop loin de chez moi. Bon, après, c'est vrai que 90 km, ça fait quand même une distance. Mais d'y aller de temps en temps, une fois ou une fois par mois, une fois tous les deux mois, je trouve que ça vaut vraiment le coup. Je sais pas si vous allez bien voir celui-ci. Ouais.
Regardez, il est super sympa. Vous avez vraiment... Bon, il y en a plein. Hein. Et à chaque fois, c'est par deux. Là, vous avez encore des petits cœurs. Vous avez des petites choses comme ça. Donc voilà un peu ces petits carnets. Donc là, je les trouve super sympa. Moi, j'en ai trouvé que deux. Il y en aurait eu d'autres, je les aurais pris parce que vraiment, je crois que c'est même pas 80 centimes le petit carnet. Donc bien, je vous remettrai les prix à chaque fois. Donc je pense pas me tromper. Ensuite, j'ai pris ceci. Donc c'est un desk planner. Alors, je l'ai même pas ouvert. Enfin, je vais l'ouvrir parce que du coup, je l'ai même pas regardé parce que je voulais vraiment pas utiliser les produits avant de vous les présenter. Donc ça y est, j'ai enfin réussi à l'ouvrir. Donc il est vraiment très joli. Je sais pas si vous allez pouvoir voir. Il est très très beau. Par contre, je viens d'ouvrir, donc derrière pareil, vous avez la même couleur, donc c'est super joli. Après, un peu déçu du coup pour l'intérieur parce qu'il est très 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 basique. Donc il est comme ceci. Donc il est très très simple. Après, honnêtement, c'est pas très grave, sachant que j'ai acheté des petits stickers pour voilà, pour faire joli, c'est pas très gênant. Après, je m'attendais à quelque chose de plus sympa. Honnêtement, il est très simple. Après, j'ai pas dû acheter ça très cher, donc c'est pas très grave. Mais au niveau de la papeterie, pour offrir ou quoi, je trouve que vous pouvez vraiment faire des cadeaux super sympas. Après, j'ai des planches de stickers comme ceci. Alors ça, c'est trop trop joli. Donc je sais pas, je pense que je vais l'utiliser dans mon planner, mais je pense aussi l'utiliser en carte postale ou en... pour faire des décos, je sais pas encore. C'est des planches de stickers qui valent pas grand chose non plus. Alors vous avez plusieurs motifs et c'est des stickers un peu en relief. Alors je sais pas si vous allez pouvoir vous rendre compte. Je vous montre un petit peu. Voilà, ça y est, parce qu'avec la lumière c'est pas évident. Donc vous avez celui-ci. Donc celui-ci, ça fait un peu bohème, un peu à l'ancienne. Vous avez des petits anges, des fleurs, des papillons, très très sympa. Ensuite, on a celui-ci qui fait clairement penser à l'été. Et super sympa aussi. J'adore les couleurs. Et en plus, ce qui est sympa, c'est que c'est en relief. Après, c'est un peu en effet miroir, effet multicolore. C'est très joli. Donc là, vous avez des glaces, de la fraise, des boissons, des tongs. Enfin, vraiment, ça fait vraiment penser au thème de l'été. Ensuite, celui-ci, on peut dire aussi que c'est thème de l'été, on va dire un petit peu plus fun, un petit peu plus pop. Moi, j'aime beaucoup aussi. Il est vraiment super sympa. Alors, les éclairages, oui, c'est très bien quand ça marche. Voilà, ils sont vraiment super, super sympas. Moi, je les aime beaucoup. Je trouve ça, ça fait vraiment agrémenter des cartes postales ou un planeur ou plein d'autres choses. Ou... voilà, alors celui-ci, moi, il me fait penser un peu aux couleurs un petit peu de mariage, de célébration. C'est dans les tons poudrés, roses. Vous avez des roses, vous avez des flèches, des cœurs, des étoiles, plein de petites choses. Celui-là, il est dans le thème vraiment très, très poudré. Je le trouve vraiment canon, celui-là aussi. Ils sont tous très bons, en fait. Suivant le thème que vous voulez réaliser, je trouve qu'ils sont top. Celui-là, moi, il me fait penser un petit peu au bohème chic. Vous avez des plumes, vous avez un vieux vélo, des fleurs. Ça fait un peu bohème chic vintage, je trouve. J'espère que vous allez voir quelque chose parce que j'ai l'impression qu'avec la lumière, on voit rien du tout. Et voilà, il est vraiment très sympa aussi, à des prix vraiment, vraiment dérisoires. Et ensuite, le dernier, c'est un petit peu dans les couleurs vert, noir, black and white, avec un petit peu de vert. Donc j'aime beaucoup aussi ce style. Il est comme ceci. Allez, la lumière, reviens. Reviens. Ça y est, c'est revenu. Donc voilà, en fait, les petits stickers. Donc voilà pour ce qui est de la papeterie. Après, je passe brièvement, mais j'ai acheté deux petites serviettes comme ça. Vous savez, c'est des petites serviettes qui sont pas très très longues. Voilà, pour s'essuyer les mains dans la salle de bain. Donc voilà, je vous ai présenté mes achats chez Action. J'étais un petit peu frustrée de pas trouver plus de choses, mais honnêtement, il y avait tellement de monde, il y avait beaucoup de rayons qui étaient complètement vides.
Donc j'ai hâte d'y aller un jeudi parce que là j'étais pas seule, donc avec mon homme et mon fils c'était pas ce qu'il y a de plus simple pour regarder, pour chiner, pour essayer de trouver. Donc je pense qu'en semaine seule je trouverai plus facilement des petites pépites. Donc j'ai hâte d'y retourner, je pense que j'irai début mars. Donc voilà, en tout cas je suis vraiment très très contente d'avoir ce magasin proche de chez moi. Donc bien sûr maintenant vous aurez certainement très régulièrement des hauls Action et ça me fait plein de joie en moi parce que c'est vraiment un magasin qui est top. C'est pour ça d'ailleurs qu'il y avait autant de monde. Parce que tout simplement dans le secteur où j'habite, on n'a pas de Babou, on n'a pas d'Action, on n'a que Jiffy. Et honnêtement Jiffy c'est extrêmement cher comparé à Action. Donc voilà, je suis vraiment très contente d'avoir cette Action. Donc n'hésitez pas à me dire vous quelles sont vos pépites que vous aimez trouver à Action. Donnez-moi vos bons plans maintenant que j'en ai un à côté de chez moi pour que je sache un petit peu, par exemple, les jours de sortie ou des groupes Facebook ou plein de choses où on peut avoir les bons plans Action. Donc dites-moi tout ça en commentaire. J'ai hâte de découvrir tout ça et d'aller faire après mon shopping et vous présenter tout ça. Moi, je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à bientôt.